C'est bon ça. Donc on est le mardi 26 mars. Mardi 26 mars, 15h50. Et voilà, je vais mettre un message sur le chat là, du WebSDR, là en bas à gauche, comme quoi j'allais couper la réception d'ici quelques instants. Je coupe ici pour ne pas avoir de retour dedans. Maintenant, l'antenne. Breakover. Ah oui, le renvers. J'ai toujours pas mis Vocal Screen à jour. Donc j'ai toujours la notification avec. Bravo Charlie 3301. Difficile de voir un retour là du Québec, de Ottawa dedans. Ça m'arrive à moi par moment. Alors quand ça arrive pour les autres, ça me fait toujours grandement plaisir.
Breakover. Oh, la frontière franco-belge derrière. N'hésitez pas à regarder l'heure du QSO pour retrouver après dans les vidéos. Un breakover. J'ai l'impression que tout le monde s'appelle en même temps. Ah ben là ça passe. La frontière franco-belge passe plein pot de devant. Moi je suis pas sûr. J'ai pas compris. Hein. Oh, je crois que... Et 73-51. Bravo Charlie, 33-01. Ok. Et le Brésil qui arrive derrière. Sursaut aujourd'hui.
Oh, oui, 33-01, les 73-51, 9 bravo Charlie, 5-5-5, de 14 bravo Charlie, 33-01, comment vas-tu? Ça fait plaisir d'avoir à nouveau le Québec. Merci. Ah ben le revoilà. Attends, mais il le fait exprès. Attends, je le laisse sortir son baratin. Voilà. Les 73-51, Gilles, 9, bravo, Charlie, 5-5-5, Frangin, du pays du froid. Oh, le grand dieu de la radio québécoise, que je te vénère. Comment vas-tu? Ça fait plaisir d'avoir à nouveau le Québec en fréquence. Ah, ah, ça y est, ça passe. Sur la 33, ça va tout en bien. Les bâtisses renouvelées aussi. Pour 9 bravo Charlie 555. Gilles, le talent, il est talent sur le Québec. Il joue en avant, bien sûr, avec sa permission. Et puis, ben, toujours toutes les amitiés au clairant. J'espère que tout va bien, Rémi. Ah, tu m'étonnes, petite parenthèse, désolé les stations qui sont en SWL sur le web SDR, là ici au QRA. Ben oui, quand je suis au micro, je préfère couper le sortir l'antenne du web SDR pour ne pas le griller avec en passant l'émission. Donc désolé les stations, je rebranche l'antenne web SDR dès les QS sont terminés. Et ça va très bien, et toi alors, ce week-end sur Gatineau, ça s'est bien passé? Oui, QSL, ben oui, ça s'est bien passé, hein. C'est allé aider au neveu, puis à part un peu de Réno, un peu d'ajout sur sa nouvelle acquisition d'une maison avec sa conjointe. Et puis j'ai passé la fin de semaine avec ma belle maman. Et puis aussi avec les neveux et nièces pour la petite Renault. Et puis on est arrivé hier sur le QRA de Pointe-Calumet. D'accord, oui, bah oui, c'est ça, oui. Eh ben tu vois, là, nous, on prend la route vers le Pas-de-Calais vendredi matin pour revenir après mardi soir. Donc, de vendredi matin jusqu'à mardi soir, il n'y aura pas de coupure de web SDR. C'est un petit clin d'œil pour ceux qui sont derrière la porte. Hachi. Donc là, Gilles, on sera complètement absent durant cette période. Mais bon, j'emmène mon PC avec moi, histoire de pouvoir survoler un petit peu les trucs au niveau Internet. Toi, tu n'auras qu'à stocker sur le serveur. Hachi trois coups. Oh, t'inquiète pas qu'il y a de la place sur le serveur. Là, je te dirai pas combien, mais il y a de la place. Il y a ce qu'il faut, là. C'est, tu peux stocker.
Charlie s'agrandit tous les jours. Hein. La famille Groupe DX des Bravo Charlie continue. Oui, 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 c'est bien, c'est bien. C'est une bonne chose, Fadin. Oui, ben justement, tu as le nouveau macaron logo, enfin comme tu as envie de l'appeler, qui est prêt, hein, tu l'as dans ton message, là sur, sur Messenger. Ah, ok, je vais aller voir ça, là, depuis que je suis en vidéo, j'ai pas eu la chance, hein, moi, j'ai pas encore vu ça, mais tu verras ça plus tard. Ouais, tu verras ça plus tard. D'abord, d'abord, on profite de la propague et puis le reste, ça sera après. C'est comme là, quand je t'ai entendu là sur le web SDR, je t'ai entendu un premier coup sur le 555. Oh, je me dis ça, je reconnais. Après, je suis passé sur le 625. Là, j'entendais le Brésil qui arrivait et tout ça. Oh, je me dis ça fait pas. Puis mon petit doigt me dit, Rémi, rapproche-toi de la station. Putain, j'amène le PC à côté et tout ça. Je retourne sur le 625. Ah putain, j'entends la grande gueule du Québec. Ah chie. Alors vite, 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 on met tout en route, les caméras, tout, projecteur, tout. L'antenne verticale dirigée vers le Québec. C'est bon, ça marche, ça roule. Et me voilà. Ah mais tu m'étonnes. Non mais c'est sûr. Et puis avec une antenne omnidirectionnelle, une antenne verticale, t'as pas à t'embêter à tourner l'antenne dans tous les sens, à faire la girouette. C'est voilà, t'as pas tous ces embêtements. Franchement, rien que le fait de déjà que j'ai du mal à tenir, à faire comme toi, à rentrer les QRZDX dans Cluster DX. J'ai du mal à avoir cette rigueur. Alors avoir une antenne directive et à chaque fois être obligé de tourner dans tous les sens, non, non, non. De toute façon, ça tombe très bien parce que là où je suis, je peux pas mettre d'antenne directive. Comme ça, c'est clair, net et précis, c'est réglé, ça m'arrange bien, quoi. Non, mais c'est sûr qu'une antenne verticale, je préfère largement. Au moins, t'as les oreilles ouvertes sur 360 degrés, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Bon, on n'est pas que tous les deux, il y a d'autres stations. Hop, là, j'ai entendu un truc derrière, je relâche le micro de suite. Si, j'entends petit. Oui, les 73-51, Jean-Noël, bon, t'as été surmodé sur la fin par le Brésil, j'imagine. De 14, bravo Charlie, 33-01, Dandy, 33, Rémi. Alors, j'étais entendu en QRP, aussi bien sur le QRA que sur Ottawa. Donc là, bon, ça a réussi à passer quand même, mais c'est QRP pareil, hein, de mon côté. Ouais, pareil. Les marottes, à tout un coup.
Je t'entends bien sur le webinaire d'Ottawa. Il y a des gens de Facebook qui foutent le bordel. Ils ont trop pris l'habitude sur Facebook de foutre le bordel. Ils viennent le refoutre ici. Ah, lui, il passe pas. On a de la chance. Merci pour le retour de micro. As-tu fait... Ah bah oui, si. J'allais te demander si tu as fait d'autres QSO ces derniers temps. Bah si, puisque là, j'ai entendu. Moi, pour ma part, rien du tout. C'est depuis que là, le Québec ne passait plus, c'est plus aucun QSO jusqu'à là, aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui prennent des vacances? Est-ce que moi qui est en vacances en ce moment, je prends des vacances? Ben oui, ça va prendre un bon petit gâteau liquide avec Dame Propague. Oh, bordel. Et à propos de ça, alors, comment ça s'arrange de ton côté? Je veux dire, par là, t'as trouvé quelque chose? C'est en bonne voie? Ben, je regarde un peu. J'ai trouvé quelque chose ici dans une pépinière, pour le temps que ça s'arrange côté avec la cour, avec la tâche et tout ça. Moi, j'ai
Ouais, non, mais je me doute bien, quoi. Je me doute bien, ouais, j'ai compris, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Oh oui, monsieur. Bon alors, est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent profiter de cette ouverture là en direction du Québec, là, présentement? Ah oui, deux messages. Les stations qui sont en QSO ici, surtout regardez à quelle heure vous faites le QSO pour retrouver après ça dans les vidéos. Voilà, aussi bien du côté de la 14 que du côté de la 9, l'heure est affichée dans les vidéos. Et en même temps, pour les OM francophones qui veulent un QRZDX, bravo Charlie, et surtout du côté Québec, par exemple, enfin oui, bah oui, quand même. N'hésitez pas à contacter 9 bravo Charlie 555, oh le grand maître, le grand maître des dieux de la radio québécoise, Hachi. Oui, j'ai entendu. Oh, mais c'est pas un autre bravo Charlie que j'ai entendu, ton voisin? 9 bravo Charlie, 2, 3, 6. Oh, je sais plus comment. Non, c'est le 2, 5, 3, là. 2, 5, 3. Je n'étais pas loin. Les 73-51, et vu l'heure, bon matin de ton côté. De la part de 14, bravo Charlie, 33-01. Avec un bon 13-14 degrés ici et temps humide. Et pareil. Merci, mais la même température de votre côté que du mien, quoi. Ah ben, je suis bleu, quoi. Et je suis sur le sud-ouest de France, moi, il est censé faire plus chaud ici. Ah, chi. Ok, pour cet après-midi, bonne balade, alors. Bon, je vais repasser le micro au maître de cérémonie, c'est-à-dire Gilles, 9, bravo Charlie, 555. Ok, Gilles, en avant pour les faire entrer. Merci, tout ça retourné. Et il y a du monde derrière la porte, apparemment. 73, Rémi. Les 73 la station, 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi sur la Gironde. Oh mais j'ai reconnu la voix. Ouais. Tout ça retourné. Avec le temps du sud-ouest, tout pareil. Ah, je me fais pas long, je vois que t'es en QSO 14 km 33-27 Florent, les alentours de Libourne. Oui, j'étais reconnu Florent. Retour de micro sur Gilles pour Florent. Oh, ça fait le yo-yo. Les beaux 73 de 14 km 33-27, Florent, Libourne.
Libourne, à côté de Libourne. Tu es seul, Gilles? Alors c'est Florent, 14 km 33 27. Il t'entend, Gilles. Hein. Voilà, 14 km 33 27. Ben je sais pas, tu m'entends pas Gilles, pas du tout. Mais attends, je vais mettre un peu plus de confort. Ok, voilà. Voilà, en attendant que l'Alpha Lima chauffe de ton côté, retour de micro à 9 Bravo Charlie 555 pour faire rentrer les autres stations. C'est pas évident. J'entends plus personne. Oui, en avant, ouais, je disais, là, je n'entends plus personne. Alors, est-ce que 14 km 33 27 est de retour? Bon, il a dû passer à d'autres occupations. Il a dû être appelé ailleurs, j'imagine. Bon, c'est pas grave. Ben, si t'attends d'autres stations, vas-y, parce que là, moi, c'est devenu silencieux, là, de mon côté. Attention, s'il y a des stations, tu veux prendre
prendre du côté de la 14 ou quoi que ce soit. Ça tombe un peu pas dans l'avant pour le Québec Canada. Ah! Ah, j'ai entendu Michel, 14, on va y avoir 59. C'est quoi Michel? Merci Michel, les 73, 51 retournés, 14 bravo Charlie, 33-01, Rémi, le département de la Gironde. Quelqu'un sur internet, on est dans le creux de la vague,
fin de la propague hivernale. Prochainement la propague été, mais ça n'empêchera pas qu'il y aura quelques bons passages de DX, de propague, je veux dire. Et la preuve aujourd'hui. Dernièrement, là, il y a eu la Guyane aussi. Ce week-end. Ce blanc qu'il y a. Ça y est, il y a une station là, c'est terrible à l'entendre, 3301. Ah ben justement, j'étais en train de te dire, ce blanc qu'il y a. Du coup, non. Oui, c'est la station posée à l'avant. Ah, maintenant oui. Passe QRP. Oui, bien sûr, c'est moi-même. Oui, QSL, parce que moi, j'étais pas là en fin de semaine, hein. J'étais pas en fréquence en fin de semaine, alors c'est peut-être pour ça que vous avez vu que la propagation n'était pas ça. Là, j'étais sur le web SDR et
Alors pour ceux qui n'ont rien compris, un WebSDR, c'est pas un logiciel de chat par internet. Ça n'a rien à voir avec un logiciel de chat par internet, faut pas tout confondre. Un WebSDR, c'est un récepteur dont, pour faire simple, eh bien le haut-parleur est remplacé par internet. Mais derrière, c'est un vrai récepteur qu'il y a derrière, mais qui passe par un logiciel avant d'atterrir sur internet. Alors de mon côté, c'est un SDR Play qu'il y a derrière. Alors donc derrière, c'est un SDR Play, un récepteur SDR Play que je branche normalement sur l'antenne donc que j'utilise là en ce moment même. La manteau va vite. Et la partie informatique de ça, c'est un nano ordinateur avec le logiciel qui permet dedans de gérer le récepteur. Et le tout envoyé sur internet. Donc c'est du vrai, c'est pas de la réception virtuelle ou quoi que ce soit comme certains logiciels. C'est du vrai réception radio qui est derrière. Bonjour la Bourgogne. Alors je dis ça parce qu'il y en a eu un qui m'a fait un caca nerveux là sur un groupe, sur Facebook. M'affirmant que c'était un logiciel de chat par écrit. Eh ben c'est pas grave. Attention, Pavin, c'est une copie sur la station de la Bourgogne. Non, ce que j'arrive à entendre au niveau des stations, c'est du très très QRP, mais indécodable. C'est-à-dire Santiago nul et radio 1. Mais pas plus. Par contre, je vois que là, c'est en train de monter parce que j'ai un retour un peu plus fort là sur le WebSDR d'Ottawa. Oui, QSL. C'est que là, l'appareil est bien réchauffé. Hein. Là, l'appareil est bien réchauffé. Hein. Et voilà. Oh oui, monsieur. Bon alors, les stations du côté Québec, on aimerait vous entendre là sur la 14, parce que là, je sais pas, mais bon, c'est y a pas que Gilles quand même sur le Québec. Il y a d'autres stations, il y a 9 Bravo Charlie, 269, oui je crois que c'est ça. Il y a peut-être, putain mes mémoires de poisson rouge, hein, au secours. Il doit certainement y avoir d'autres stations également. Et maintenant, c'est moi que j'entends. Je sais pas, retour de micro sur toi, Gilles, pour les faire rentrer. Oui, je vais voir si la station qui veut rentrer dans le QSO Journalie. La Bravo Charlie 555, le talent des talents du Québec en avant, la station Kerbel. C'est Gazouille derrière. Affirmatif, il est à une vingtaine de kilomètres du QRA. Voilà, c'est-à-dire Gironde, secteur Libourne. Voilà, pour être plus précis. Alors j'ai entendu un petit peu gazouiller derrière, mais bon, c'était du indéchiffrable. C'est sur Radio 1 et encore, même à peine Radio 1, là, dans ce que j'ai pu entendre, là, dans le blanc. Bon, autrement, oui, 14 km 33-27, oui, c'est ça. Oui, c'est Gironde, secteur Libourne. Et je cherche mes mots, quoi. Il est en train de rentrer ça sur Cluster DX. Faut
en profiter. Et Gilles, c'est moi, c'est moi. J'ai des gaz, je peux faire du bruit? Vas-y, fais du bruit. Ça peut pas être pire que la vache folle. C'est vrai qu'on n'a pas en ce moment la vache folle. Tu vois, tu l'as demandé, tu l'as eu. En plus, c'est très vrai, parce que là, si on remonte là, dans les messages perso, c'est... Ouais, c'est bien ça. Quand Dieu de la radio québécoise demande, la propague arrive. Oh putain, oui, t'as mis des désodorisants. Oh oui! Non, mais c'est vrai que c'était. Alors, ce qui m'étonne, tu vois, là, je vais redevenir sérieux 30 secondes. Ce qui m'étonne, c'est que plus bas, 27.025, c'est-à-dire Canal 6 AM, eh bien, les Américains, on les a pas perdus, hein. C'est alors que je pensais bien qu'on était sur la fin de la propague hiver, mais bon, de toute façon, comme à chaque fois, il y a toujours des petites pointes par moment et tout, des passages bien comme il faut et tout, là, durant la période creuse, avant la propagété. Mais je vois là, du côté des Américains, là, ça passe toujours, hein. C'est là en AM, c'est ce qui m'étonne quand même. Puisque là, si on n'a plus le Québec, bien souvent, eux, on les perd avec. Mais bon, pas trop, ben tant mieux. Ben oui. Ben je vais aller chez vous en personne. Hein. C'est sûr que si je pourrais parler deux, trois autres langues, si je parlais deux, trois autres langues, je pense qu'on aurait 4 à 5 heures de vidéo par jour. Au secours, là, faudra embaucher. Oh là, oui. Ah oui, puis en plus, tu dois même peut-être entendre la Chine, là, de ton côté, de ce côté-là, enfin, des pays d'Asie. Tu dois peut-être les entendre aussi, toi, de ton côté. Ah, c'est les castors, non, plutôt, qui sifflent. À quoi que les marmottes aussi, ça siffle, hein. Attends, pas du bon côté. Hachi, il y a eu l'Italie, l'Espagne, de ces environs-là. Ben, de toute façon, tu as dû l'entendre sur le web SDR. C'est, voilà. Les 73-51, la station qui s'est signalée de 14, bravo Charlie, 33-01. Ça a été très QRP, très furtif, mais c'est passé quand même. Voilà, l'opérateur Rémi sur le sud-ouest de France, c'est le département de la Gironde, au pays des ivrognes. Alors, je sais pas, j'ai cru comprendre Daniel. Je sais pas, Daniel, alors 14 km 33 06, ou alors un autre Daniel, je sais pas, c'est vraiment du très furtif, hein, de mon côté. Je vais faire un retour sur Gilles pour voir. Bon, tapis. La station, c'est beaucoup trop QRP, mais bon, c'est passé quand même, comme dirait l'autre, c'est dans la boîte. Ah oui. Ok, alors 16h45 pour la vidéo.
Les 73-51 à toi, Daniel. Ok, en plus de ça, je m'étais calé en fréquence sur Gilles. Donc, un petit peu plus haut, un poil plus haut. Ok, Daniel. Les 73. Alors, Gilles, c'est Daniel. 14 km 3306. Voilà, 14 km 3306, Daniel, qui, vu comment il passe, doit être du côté du sud-sud Bordeaux, ou... Non, il est à l'ouest de Bordeaux. Oui, il est plutôt du côté ouest de Bordeaux, il doit être de ce côté-là. Affirmatif, Senteur, voilà, c'est son QRZ local, c'est Senteur 33. Ah, j'ai entendu quelqu'un d'autre se signaler. On l'entend parler derrière, mais bon. Alors, désolé, Daniel, je reconnais ta voix, il n'y a pas de souci. Tu verras dans la vidéo, hein, 16h45, 16h50, voilà, dans cette fourchette-là d'heure. Tu verras, on t'entend effectivement derrière, parce que bon, ben, on connaît ta voix. Je reconnais bien ta voix, mais c'est même une radio de 1, ça serait trop haut. Hachi, c'est vraiment une radio de 1/2 point, mais c'est tout ce qui passe de mon côté. Hein. En plus de ça, quand tu as repris le micro, tu as été un petit peu surmodulé par je ne sais qui, je ne sais trop quel pays. Mais bon, c'est vraiment très 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 QRP. Daniel, essaie de rouler plus vite pour voir si ça passe plus fort. Hachi, trois coups. Ah, ça marche. Ok. Je suppose qu'il a... Je sais pas. Bon, je suppose que tu as dû relâcher le micro. Alors, si tu arrives à m'entendre, te voici le QSP de Gilles. Prends du Viagra, ça passera plus fort. Bon, Gilles, je l'ai perdu. Retour à toi. Ouais, ça fait le yo-yo, hein. Je dirais une prochaine fois, je lui mettrai un message là sur Messenger qui prenne un peu plus de Viagra pour passer plus fort. Hachi! Bon alors, les stations fréquences, vous avez le Québec qui est là en fréquence, profitez-en. Allez-y, sautez-lui dessus. T'as quelque chose? Mais bon, c'est pareil. Hein. Je crois que là, on va arrêter le QSO là. Hein.
Enfin, du moins, je vois de mon côté. En plus de ça, et comme quoi, tu vois, là, que je suis vraiment le roi, là, ici à la maison, assis trois coups. J'ai un cappuccino qui m'est arrivé, là, là, tout chaud, là, la station et tout, ça, tu vois, là, je suis le plus heureux, là. Bon. Bon, ok. Je vois que c'est pas du tout passé de ton côté, c'est pas grave. Je vais te. Alors attends, il y a 5 heures d'écart. Donc là, il est midi moins 5 chez toi. Oh, mais hey, tu vas aller au casse-croûte là. C'est. Comment vous dites chez vous? C'est l'heure du dîner. Ouais, c'est ça, oui. Donc, je te souhaitais un bon gastro solide, Gilles. Je sais pas si... Non, madame est pas là, je crois. On est mardi. Bon gastro solide à toi. Bon après-midi après en suivant. Et puis, on verra bien en vidéo ce que ça donne. Hachi. Et puis, on verra bien demain par la même occasion. Si madame Propag le veut bien. Les 73-51 Gilles, 212 QRA. Et à très bientôt. Oups, en plus. Ça marche, bien le bonjour à madame avec. Ok, pourtant la propague elle est là. Hein. La vache, je vois le retour que j'ai là du WebSR d'Ottawa, ça passe. Hein. Allez, les 73-51, bon gastro solide à tout le monde au QRA. Merci, bye. Je voulais dire hier, quand j'ai fait la petite vidéo sur le local, ici, sur le local 2005, on me disait que ma modulation était en distorsion. Ah bon? Moi, là, elle est très bien. Hein. C'était après combien d'apéros qui t'ont dit ça? C'est comme ça, des fois, hein, avec les Québécois. Alors, dans la blagounette, déjà, attends, je laisse passer, voilà, ça y est, c'est passé. Déjà, vous les Québécois, vous avez un accent rocailleux. Donc forcément, il peut y avoir que de la distorsion dans la modulation. Ah oui, mais là, j'ai plus de réplique, là, pour le coup, là. Là, tu m'as coupé l'arbre sous le pied, j'ai plus de réplique à donner, là. Oui, j'en ai acquis, j'ai fait l'acquisition d'une coupe de bouteilles, là. Je vais voir si je pourrais pas voir une façon d'envoyer ça, à l'écoute des pays des ivrognes. Méfie-toi qu'à la douane, ça reste pas coincé pour se siffler les bouteilles. Ils en seraient bien capables. Ah, tu m'étonnes. Bon, allez, on va pas faire attendre madame plus longtemps. Je vais te laisser aller préparer le gastro solide parce que là, il est midi moins 5 chez toi. Donc, les re 73-51, 212 QRA. Ok, j'attends tes vidéos, pas de problème. Merci, bye bye. Oh, Jean-Michel qui fait le feu. Jean-Noël, pardon.
Jean-Noël. Ah, chie trois coups. Ça va quand même passer à ta parole. Ah, chie trois coups. Et quand t'as deux moulins à parole, un moulin à parole québécois plus un moulin à parole français qui prend le micro, au secours, plus personne ne peut en placer une. Ah, j'ai pas tout compris parce que c'est vraiment très très QRP. Les 73-51 retournés, ce coup-ci je passe vraiment en QRT. Je rebascule la station sur le web SDR. Et 73-51 à tous. Non, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Les 73-51 à tous, 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi, Dandy 33, sous Sud-Ouest France. Oui, bonjour, c'est Gilles Leleuf, bravo Charlie, c'est par 55.